La porte est coincée. Le Jedi ne va pas tarder. Et en ce qui concerne nos renforts ? Il bat en retraite. Parfait. Chef ? Nous ne serons pas dérangés. À l'entrée ! Je vois. Lâchez rien ! Attention ! Je peux y arriver. Ce truc a besoin de courant. Collier d'esclave d'une Wookie. Merci, BD1. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Est-ce que c'est l'accès aux terres d'ombre ? Il y a sûrement un passage.
T'as raison, la forêt est beaucoup trop vaste. Retournons voir Saw. L'opération s'étend au secteur 7, une zone appelée les Terres d'Ombre. Elle regorge d'ennemis. Garde. Hé, on vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de quoi. Qui a envie de casser de l'impérial? Allez, aidons ces Wookiees à reprendre le combat. Bon boulot, Jedi. Saw attend un peu plus loin. Est mort asphyxié. L'Empire contamine toute la planète.
C'est un droïde de sécurité. Tu penses à ce que je pense ? Zoé est devant. On doit pas être loin. Débarrassons-nous de lui. J'ai besoin de ton aide, là. Doucement. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ça s'ouvre pas. Hé, hey, BD1 ? Je m'assure que ça va. Le truc a besoin de courant. Au travail.
Encore un? Je regarde. Vers la prison! On a besoin des Wookiees pour en finir! Plus vite! Ils ont appelé des renforts! Allez, allez, allez! Ça, il l'avait bien cherché. On est coincé. Il faut les faire sortir de là. On y est. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai trouvé la fuite. Confirmation. Impossible de l'atteindre. Il est mort. Neutralisation du Jedi. Il est touché. Il faut juste que je vise mieux. Comment il fait ça? Prioritaire. Oh, je vais arrêter là. Protège trop bien. Abattez-le. Je le tiens. Je peux pas l'atteindre. Descendez ce Jedi. Confirmez. Ah, on a le dessus. Sans intérêt. Ouvrez le feu. Je ferais bien de reculer. Je peux pas l'atteindre! C'est pas une si facile! Tous aux abris! Piètre résistance. Opération sous contrôle. Coup analytique. Vous ne pouvez pas fuir. Vous le regretterez. Yeah! Très pratique.
Toi, BD. Jedi, on n'a pas assez de puissance pour percer sa coque. On s'en charge. Envoie. On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Mais on a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard. Reviens me voir. Cal, je suis Mary Kosan. Et voici le commandant Choysik. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choysik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause.
Tu connais Tarful ? C'était un des hommes de Tarful, mais il a été capturé en mission. Tarful n'avait pas vraiment les moyens de le sauver. Il a passé des mois dans la raffinerie. Choisik t'aidera à retrouver Tarful, mais il est très mobile. Ça peut prendre du temps. Ce serait fantastique. Merci. Contente que tu sois avec nous. On dirait que So est vraiment prêt à tout. Il a une façon bien à lui de faire les choses, c'est sûr. Mais la situation l'exige. On a besoin de leaders comme So. Même si ça implique de risquer vos vies? Il faut bien que quelqu'un se dresse contre l'Empire. Alors pourquoi pas nous? Bel état d'esprit. Eh bien, ça nous fait un point commun. Bon voyage, Cal. On se recontacte. Vous êtes en guerre depuis des années. Ça vous a appris quelque chose ? C'est dans la tragédie que l'on s'unit. Et tout ce que l'Empire nous prend, nous rend un peu plus forts. À chaque injustice, quelqu'un rallie notre cause. Nous pouvons gagner, tous ensemble. Comme aujourd'hui. Merci. Je suis content qu'on ait aidé les Wookiees. Libérer les opprimés, c'est ce qui nous motive à continuer le combat. Chaque perte, chaque mur dressé, crée un combattant qui n'a pas peur de perdre. Nous serons bientôt assez pour gagner. On a réussi. Il s'en est fallu de peu. Ce sera plus dur sans ton aide. Je sais. Mais je ne peux pas abandonner ma mission. Je comprends. J'ai des informations pour t'aider. Il y a quelques rotations, mes hommes ont fouillé un village Wookiee abandonné pas loin d'ici. Aucune trace de Tarful. Mais nous avons découvert que l'accès le plus sûr aux Terres d'Ombre passe par la raffinerie. Une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Tu comprends vite. Quand tu voudras trouver Tarful, suis cette voie. Merci beaucoup. Alors, tu en es à combien ? À 20, il me semble. J'en suis à 14. Eh bah, t'es à la traîne. Ah, t'inquiète. Tant que je serai en vie, je continuerai à tuer des impériaux. Ça leur apprendra, après tout ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils nous ont fait. C'est notre combat à tous. C'est notre cause. On est une famille. Ce que tu perds, je le perds aussi. En écoutant les communications impériales. Le projet Foreuse a été réactivé. L'Empire s'apprête à trouver un nouveau tombeau Zepho. On a encore du pain sur la planche. Tu crois que So et les autres vont s'en sortir ? Toujours aussi optimiste, pas vrai ? Merci. Merci pour tout. Beau travail, BD. Hey, BD !
Tout va bien ? Je viens juste de recevoir un message crypté. De Sceaux ? De mon père. Ma fille est arrivée sur Chandrila. Elle est en sécurité. C'est une très bonne nouvelle. La meilleure que j'ai reçue depuis que je suis là. Mais... c'est dur de ne pas la voir. On rendra la galaxie meilleure pour tous. Hey, Siri. Cal, contente de te revoir sain et sauf. Mariko-san nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Mari et Choisic réussiront. C'est bien de rester positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Hey, moi aussi je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. Tu as bien fait, Cal. On n'a peut-être pas trouvé Tarful. Mais tu as sauvé des vies. Surtout, ne l'oublie pas. Merci. Un peu plus tard, Cal. Si t'es pas prêt à partir, fiche-moi la paix. Tigra, merci pour toutes les graines. Mais il y a encore plein de place dans le terrarium. Alors vas-y, fonce, et va m'en récupérer d'autres. Ok, Grise, comme tu voudras.
Où est-ce qu'on peut aller? Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match à enjeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Ah, c'est naze! Je les verrai venir même à 3 par 5. Tes paris, Dieu, nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Terminus, remonte ici. Un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravie que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. J'y ai toujours cru. Depuis que je suis novice, je crois en la Force. Ces noms sur la liste, c'est une épreuve. Et je pense être à la hauteur. J'apprécie ton assurance. Une mission comme celle-ci peut te pousser dans tes derniers retranchements. Oui, je comprends. Je me sens prêt. Nous serons là pour toi, Cal. Le monde natal des Zepho. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas. S'il n'y a pas de passé. On capte quelque chose? Rien de nouveau, mais ça reste dangereux. Je suis pas sûr qu'on ait le choix. Si, on a toujours le choix. Mais ce que l'Empire a anéanti, délaissé, ce qu'il a asservi, ces gens-là comptent sur nous. Sur toi, Cal. Je sais. Et je suis content de pouvoir compter sur vous deux. C'est normal. Il faut qu'on se serre tous les coudes. C'est notre seule chance de gagner. Il peut y avoir des indices sur les Zepho n'importe où. On n'a pas de temps à perdre. T'as déjà gagné un pari? Ouais, évidemment. C'est tellement grisant. Et quand tu perds?
Non, c'est moins bien. Mais je crois que ma chance est en train de tourner. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer la première fois? Si tu veux savoir, disons que j'ai fait quelques choix mal avisés. Entretenir ce vaisseau, c'est pas une mince affaire, tu sais. Quelques pièces sont lâchées par-ci par-là, et il a fallu que je trouve des fonds. Bien sûr, les emprunts, faut les rembourser, mais t'en fais pas, je m'en occupe. Chacun ses problèmes. Si t'es pas prêt à partir, fiche-moi la paix. Toujours pas de Stormtroopers en vue. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. Tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. C'est par là? D'accord.